Clémence contre la télé-réalité. Juju, Fika, Thibault Shay, Maïva, Gaël Garcia, Inès de Koh-Lanta, Lil Pump, Donald Trump, Dylan contre l'Afrique. Menaçant de me frapper. Ah oui, carrément. Oui, il m'a vraiment menacé de me frapper. Alors je vais simplifier la tâche, hein, comme dirait un philosophe de proximité qui s'appelle Cool Chain, quand on n'a pas grand chose, représenter les siens, c'est déjà quelque chose. Voilà. Bon. Ça se voit pas, mais c'est moi ton fils. Voilà. Cette moustache, les amis, n'en finit plus de s'affirmer, de prendre en maturité. Comme moi, en fait. Je vous rappelle, les amis, que je fais pas ça pour m'amuser, même si ça m'amuse un petit peu. Je le fais pour participer à Movember, c'est-à-dire cette campagne de sensibilisation sur les problèmes de santé propres à l'homme. Parmi ces problèmes de santé propres à l'homme, on compte la dépression de l'homme, on compte le cancer des testicules, le cancer de la prostate et bien d'autres problèmes. Et pour se renseigner sur ces problèmes, Médecins Directs, à l'occasion de Movember, a créé la plateforme Mec Sensible. La plateforme, elle est là, en swipe up, et j'ai été lire quelques-uns des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Je vous en partage quelques-uns. C'est important de se sensibiliser là-dessus, même si on est une fille, même si on est jeune, même si on ne se sent pas directement concerné, parce que ça peut toucher des gens autour de nous qui, eux, n'auront pas le réflexe de se renseigner et de se soigner assez tôt. Et c'est super important de sensibiliser les gens qui sont autour de nous, c'est-à-dire les hommes un peu plus âgés autour de nous. Moi, j'ai sensibilisé mon papa qui s'est senti très concerné lui aussi parce que du coup, il est un peu plus proche de ses problèmes, même s'il n'est pas touché, Dieu le préserve, qui lui aussi a laissé pousser sa moustache. Regardez-moi ce grand pitre.